Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'une très grosse mise à jour qui aura lieu donc le 7 septembre. Cette mise à jour aura lieu sur le Voxi One. Si vous ne connaissez pas encore le Voxi One, c'est un téléphone, c'est un smartphone tournant sous Android, développé par la société Voxi Web. Dans cette mise à jour, vous allez retrouver d'énormes possibilités avec cette mise à jour. Alors attention, cette mise à jour sera donc une mise à jour qui sera faite nativement sur tous les téléphones. Elle sera invisible. Vous n'aurez rien à faire. Elle se passera seule dans la nuit. Il faudra que votre téléphone soit connecté à Internet. Et à partir du 8 septembre, vous allez pouvoir tester toutes ces nouveautés. Alors les amis, si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça se passe ici, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Et surtout, je compte sur vous pour mettre votre plus beau like. Ça se passe ici, n'hésitez pas, ça fait plaisir, c'est gratuit. Le seul but est de pouvoir référencer la chaîne un maximum, car peu de chaînes sur l'accessibilité high-tech existent sur YouTube. Donc, je compte sur vous et vos encouragements. Le Voxi One, le voici. Application. Mode application, 17h17. Voici donc le Voxi One. Je vous présente tout de suite les grosses nouveautés et vous allez voir, ce n'est pas du tout rien les amis. Allez, on part toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus high-tech sur Vision High-Tech. Voilà, donc on va parler de cette mise à jour qui aura lieu à partir du 7 septembre et cette mise à jour va vous apporter beaucoup de possibilités vraiment extrêmes, dont certaines qui vont vraiment vous aider à extraire du texte, tels des numéros de téléphone, tels des adresses mail, et en plus, vous allez pouvoir les intégrer directement dans vos contacts, écrire directement un mail à partir d'une photo, et ça, c'est vraiment génial. C'est ce que l'on retrouve sur l'iPhone avec la reconnaissance de texte. Aujourd'hui, vous allez le retrouver sur le Voxi One. Ça, c'est vraiment un des points essentiels. Plus de 30 millions de codes barres. Le Voxi One est le seul appareil sur le marché actuellement à pouvoir vous donner satisfaction côté code barre. 30 millions de codes barres. Il n'y a aucune machine sur le marché pour les personnes aveugles et malvoyantes qui sera capable de vous donner un tel résultat. On le testera tout à l'heure. Un traducteur à la volée. Vous allez pouvoir donc traduire, vous allez pouvoir voyager dans n'importe quel pays. Et d'ailleurs, petite traduction rapide, on va voir. Vous n'avez simplement qu'à activer la reconnaissance vocale. Traducteur espagnol, bonjour. Buenos días. Alors, vous me direz si vous regardez ou si vous connaissez les différentes langues où je vais lui demander de traduire, si la traduction a été correctement faite. Traducteur espagnol, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien et surtout, pensez à vous abonner. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés todo bien y especialmente pensé en suscribirte. Traducteur anglais, bonjour. J'espère que vous allez bien. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Hello, I hope you are well and above all, do not hesitate to subscribe to the YouTube channel. Traducteur en arabe, bonjour. Merci de prendre un peu de temps sur la chaîne YouTube. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à m'encourager. مرحبا شكرا لك على قضاء بعض الوقت في قناة يوتيوب خاصة لا تتردد في الاشتراك لمواصلة تشجيعين. Voilà donc côté traducteur ce que vous pouvez faire. Vous demandez traducteur, la langue que vous voulez sur laquelle ça traduit et c'est parti, vous avez une traduction instantanée. Vous pouvez donc voyager dans n'importe quel pays, votre Voxi One avec sa nouvelle mise à jour et ses nouvelles fonctions sera capable de vous aider dans n'importe quelle langue. On continue. Aujourd'hui, cette mise à jour vous donne la possibilité avec le Voxi One plus de 30 millions de produits de la vie quotidienne. Les produits quotidiens pour manger, les produits quotidiens pour se laver, pour se doucher, pour se faire les oreilles. Le Voxi One est le seul smartphone aujourd'hui à vous donner 30 millions de produits en code barre. On le teste tout de suite, c'est parti. You
Ultra Jabon de Manos con Aloe Vera Aroma Narangra 400 mégalitres, 400 mégalitres. On était donc sur cette grande bouteille pour se laver les mains. Second produit. Ultra Doux Lait Corps Hydratant Huile d'Argan au champ. On était donc bien sûr Ultra Doux, Argan. C'est vraiment cette bouteille, c'est top. On va se tenter de la reconnaissance de coton-tige. Lotus coton-tige en sachet 100% coton biologique 160. On était bien donc sur ce genre de coton-tige, 30 millions de produits, c'est vraiment énorme. Passez l'appareil au-dessus d'un code-barre pour le lire. Intima gel apaisant 200 ml. Bière de prestige, Heineken 33 cl. Et attention, comme vous savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, on continue et on va tout de suite passer à l'extraction de numéros de téléphone, d'adresse mail, de date. C'est vraiment énorme ce que le Voxi One peut faire maintenant. C'est pas. Alors, dans cette nouveauté, dans ces nouvelles fonctions, le Voxi One intègre une fonction vraiment existentielle pour les personnes malvoyantes et aveugles. C'est l'extraction de date, l'extraction d'adresse mail et l'extraction de numéro de téléphone à partir de n'importe quel support, que ce soit un support papier, un support sur votre écran de télévision, sur votre écran d'ordinateur, le Voxi One sera capable d'extraire ces numéros de téléphone pour vous. Et ça, c'est vraiment une des nouvelles fonctions phares du Voxi One. On va le faire tout de suite. Loupe. On a donc un papier avec différents numéros de téléphone, des adresses mail, etc. et des dates. C'est parti. Scan. OCR en cours. Voilà donc l'extraction intelligente des dates, des mails, des numéros de téléphone à partir de Voxi One, sa nouvelle fonction vraiment essentielle. Comme objet, date 3 septembre 2021 à dispose. Voilà donc, une fois que vous avez pris en photo votre texte, et si vous désirez donc extraire dans ce document les numéros de téléphone, les adresses mail, les dates sur ce papier, vous allez poser et lever deux doigts très rapidement. Un sauvegardé au format texte. Ce qui va nous donner ce résultat. Un sauvegardé au format texte. Déjà, ça c'est énorme puisqu'on va pouvoir déjà garder ce document en format texte. On descend. Deux détections numéro de téléphone 1. Détection de numéro de téléphone, je le valide. Détection numéro de téléphone 1 01 43 62 12 11. Et voilà donc le numéro de téléphone a été extrait de ce texte. Et ça, c'est vraiment ultra efficace lorsqu'on est déficient visuel, malvoyant ou aveugle. Je pourrais, si je le désire, ici appuyer au centre et ça lancerait mon appel. Ne pouvez pas passer d'appel sans carte SIM. Appuyez sur OK pour... Et bien sûr, pour lancer votre appel, il faudra que votre Voxi One soit équipé d'une carte micro SIM. Détection numéro de téléphone. Bien sûr, si vous avez mis votre carte SIM, vous allez être capable de lancer l'appel sans problème. On se positionne sur le numéro de téléphone. 1 01 43 62 12 11. On part tout en bas sur le bouton OK au centre. Appeler le 01 43 62 12 11. Un oui. On vous demande si vous voulez confirmer cet appel. Vous êtes positionné tout de suite sur le bouton oui ou vous avez dessous de non. Le bouton non. On va valider. Un oui. Appel sortant vers 01 43 62 12 11. Et vous pouvez lancer un appel sans problème. Et bien sûr. Appel terminé. Détection numéro de téléphone. Bien sûr, comme vous avez lancé un appel automatique, ce numéro, vous allez pouvoir le lier par la suite à un contact. Je vous montre ça tout de suite. Application. Mode smartphone. Un téléphone, un composé. 2 appeler un favori. 3 appeler un contact. 2 appeler un composé. Donc vous allez dans téléphone, vous avez un composé. 2 appeler un favori. 3 appeler un contact. 4 historique des appels, 5 manqués. Vous pouvez aller dans l'historique des appels. Appel manqué, 5 nouveaux. 1, 01, 43, 62, 12, 11. Appel sortant, il y a une minute. Voilà, on voit que j'ai fait ce numéro, appel sortant, il y a une minute. Je pourrais le valider. Détail,
Vert 01 43 62 12 11. 1 appeler. 2 envoyer un message. 3 ajouter numéro à un contact. 4 supprimer de liste. 3 ajouter numéro à un contact. J'ai bien donc ajouté numéro à un contact. Je valide, toujours au mieux. 1 ajouter à un nouveau contact. Ajouter un nouveau contact. 2 Christophe. 3 David. Nous, ce qu'on va vouloir faire... 1. Choisissez un contact. 1. Ajouter à un nouveau contact. On va choisir donc ajouter un nouveau contact. Champ texte, nom complet, vide. Et vous n'avez plus qu'à suivre la procédure pour créer votre nouveau contact. Détection numéro de téléphone. On revient en arrière. 1. Sauvegarder au format texte. 2. Détection du 3. Détection email. 3. Détection d'email. Alors, il a détecté 3 emails à l'intérieur de ce document. On va voir. Détection email. untaquet@cecia.com. Premier. devigotine@gmail.com. Deuxième email. 3taquet@cecia.com. Voilà donc, et ici, si je voudrais donc envoyer un email. taquet@cecia.com. Envoyer un email. 1. Envoyer un email. 2. Ajouter au contact. Et je pourrais même ajouter au contact cette adresse email à un contact bien précis. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, si je fais envoyer un email. Envoyer un email. Je valide. Champ texte, envoyer à taquet@cecia.com. Champ texte avec saisie assistée, CC. Champ texte avec saisie assistée, CCI. Champ texte, sujet, vide. Alors, sujet, je vais mettre par exemple test nouveauté téléphone. Test nouveauté téléphone inséré. Voilà, je descends. Champ texte, message. Et je peux faire mon message au niveau du mail. Bonjour, virgule. J'ai donc fait un test avec les nouveautés du téléphone et franchement, ça marche à merveille. C'est vraiment énorme. Merci et bonne soirée. Bonjour, j'ai donc fait un test avec les nouveautés du téléphone et franchement, ça marche à merveille. C'est vraiment énorme. Merci et bonne soirée insérée. Je descends. Choisir un fichier, pièce jointe, 5 mégaoctets max. Alors attention, on peut maintenant envoyer de grosses pièces jointes à partir du Voxy One et ça c'est vraiment énorme aussi. Ça fait partie des nouveautés du Voxy One, l'envoi de pièces jointes avec votre téléphone. Choisir un fichier, pièce jointe 2, 5 mégaoctets max. Choisir un bouton, envoyer. Et je peux, une fois descendu, envoyer. Votre email vient d'être envoyé avec succès. Vous pouvez maintenant effectuer un retour pour retourner à vos emails. Voilà, c'est pas génial ça les amis, ça marche à merveille. 4 détection date. On a donc aussi la détection de date. Voici détection date, 3 septembre 2021. Ça c'est le jour que l'email a été envoyé. Et dans l'email, il y avait une date à laquelle j'invitais une personne pour venir faire une formation. 7/9/2021. Le 7/09/2021. Voilà donc le côté extraction. Alors là, c'est intégré, c'est dans le téléphone. Vraiment, je vous invite à tester toutes ces nouveautés, à me faire un maximum de commentaires sous la vidéo. Comme vous avez pu voir, donc l'envoi de pièces jointes maintenant est de 5 mégas à partir de l'envoi mail sur votre Voxy One. De belles nouveautés en perspective à tester à partir du 8 septembre. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Surtout, n'hésitez pas donc à liker, à partager et à me dire en commentaire si vous avez la moindre question sur le Voxy One et si je peux vous renseigner, ça sera toujours avec plaisir. Merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus tech. Salut à tous !